salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo totalement hors série, puisque je vous donne des nouvelles de ma Citroën Saxo qui roule à l'éthanol. L'éthanol, le E85, comme on a l'habitude de les nommer en station-service, c'est un carburant qui contient 85% d'éthanol et le reste en sans-plomb. Alors ça, c'est de la théorie, puisque en pratique, ce taux varie un petit peu en fonction de la saison. En fait, il y a une variation en hiver. En hiver, il y a un petit peu plus de sans-plomb. Et en été, il y en a un petit peu moins. Pourquoi ? Bah, la raison est toute simple, c'est que pour carburer correctement, l'éthanol a besoin d'une température. Putain, l'éthanol brûle beaucoup moins bien. Il lui faut une température qui soit beaucoup plus élevée pour que ça brûle correctement. Alors moi, sur ma Saxo, donc, je mets de l'éthanol depuis maintenant quasiment, je crois, 10 000 km. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidange quand je faisais mes pleins à l'éthanol. L'huile m'a paru peut-être légèrement plus propre, mais léger. J'en vois quasiment pas la différence. Alors, effet placebo ou pas, j'en sais rien. Toujours est-il que dans mon cas, je fais les vidanges tous les 10 000 km. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une voiture qui a 20 ans et que bah, y a rien de tel que de faire une vidange plus souvent. Alors je sais, il y en a qui me diront oui, mais ça sert à rien de faire des vidanges assez souvent, etc., etc. Oui, ça sert à rien. Mais je vous rappelle que c'est une voiture qui est vieille, qui a déjà pris cher, qui a 156 000 km. À l'heure où je vous parle, plus de 156 000 km, c'est une voiture essence. Et qu'une voiture bien entretenue, ben ça tient beaucoup plus longtemps, ça fait beaucoup plus de kilomètres. Ça permet de garder le moteur propre en fait, parce qu'on renouvelle l'huile plus souvent, donc il y a moins de crasse dans le moteur et donc le moteur va beaucoup mieux. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais à la station de service, je mets à peu près 10-12 litres de sans-plomb, 95, pas de 10, et le 98 ce sera peut-être pas nécessaire parce que c'est plus cher. Mais je mets soit du 95, soit du 98, mais pas de 10. Et donc je mets entre 10 et 12 litres. Et tout le reste, soit à peu près une trentaine de litres, 30-32 litres à peu près. J'ai un réservoir qui fait 45 litres. Donc on y est, hein, quasiment, ça fait 44 litres. Et ben je mets de l'éthanol. Alors, bilan. Et ben ça fonctionne super bien. En termes de proportion, je suis aux 3 quarts, à entre 75 et 80% d'éthanol. Pour le reste en sans-plomb 95 ou 98. J'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai pas eu de gros problèmes moteur, j'ai pas de voyant allumé, sauf le voyant d'airbag, puisque j'ai l'airbag de mon siège conducteur en dessous, le fil il a été ressoudé à la main, etc. Et parfois ça arrive, il y a des faux contacts. Aucun voyant, pas de perte de puissance de mon moteur, pas de bruit bizarre, pas de réaction anormale de la voiture. Les seules choses que j'ai remarquées, mais vraiment c'est minime, hein, c'est vraiment à froid, quand il fait assez froid, ou juste à froid, en temps normal en fait, hein, là il fait quoi, il fait une vingtaine de degrés, en plus il fait du soleil, on est encore au mois d'octobre, dans les Hauts-de-France il fait 20 degrés. Quand je pars de chez moi, pour la première fois de la journée, je laisse une minute à peine le moteur chauffer. Voilà. Je démarre, ça démarre bien. Mais je laisse chauffer un peu le moteur parce que sinon j'ai des trous, si vous voulez, quand je pars en première, si vous voulez, je mets ma première, je pars, et là je passe ma seconde, et en fait j'ai l'impression que la voiture n'arrive pas à reprendre son souffle. Et ça fait ça seulement si je laisse pas chauffer le moteur une minute sur place chez moi. Et puis à part ça, ben c'est tout, j'ai rien remarqué d'autre. Une légère surconsommation, je fais 100 km de moins par rapport à un plein de sans-plomb classique. Donc avant je faisais autour de 670 et 700 km avec un plein. Et là je fais plutôt du 570 à peu près. Ouais, c'est ça. Donc oui, une légère surconsommation, hein, ça se ressent. Mais franchement, pour l'économie réalisée, je m'en plains pas, puisque j'arrive à faire le plein aujourd'hui pour une trentaine d'euros, quoi. Donc c'est absolument génial, compte tenu du fait que le sans-plomb aujourd'hui atteint des sommes mirabolantes. Quand on fait le plein, souvent on a envie de tirer une balle. Hein. J'ai calculé, ça me fait tomber le prix au litre chez moi à environ 1 euro. 1 euro le litre de carburant. Donc c'est... Franchement, là, j'économise 50 centimes par litre, à peu près. Donc multiplié par 45 litres, bah, vous imaginez bien l'économie que je fais à chaque fois. Donc,
pour une Saxo, et en plus de surcroît, c'est la Citroën Saxo monopoint, donc les anciens moteurs. Là, à quoi ça ressemble un moteur à injection monopoint? Ici, vous avez l'injecteur qui est là juste en dessous, et là, vous avez la coiffe du filtre à air, et là, la boîte à air avec le filtre à air dedans, et ça, c'est l'admission d'air. Avec également ici un truc dont je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pense que c'est pour récupérer les calories de l'air chaud pour le chauffage. Mais voilà, donc voilà ce que j'ai comme moteur, hein. Un 60 chevaux monopoint. Voilà, voilà. Et ben, pas de problème, ça fonctionne à merveille. Il y a vraiment rien, ça joue sur des détails, hein. Une légère surconsommation, et puis à froid, il faut que je laisse chauffer une petite minute ou deux chez moi avant de partir, et banco, quoi, ça gaze. Voilà donc pour mon petit retour sur l'éthanol, j'en suis très content. Alors encore une fois, avant d'essayer l'éthanol, renseignez-vous quand même, hein, en fonction de votre moteur et de votre voiture. Partez pas comme ça les yeux fermés. Si jamais vous trouvez pas les informations qu'il vous faut, à ce moment-là, essayez, mais avec des petites quantités. Mettez d'abord, on va dire 20%, 25%, mettez un quart par exemple, allez, on va faire simple, mettez un quart de votre plein en éthanol et le reste en sans plomb. Et que ça fonctionne bien, augmentez encore, passez à 50%, la moitié, ou un peu moins. Voyez si ça fonctionne toujours. Si au bout d'un moment vous avez le voyant moteur en orange qui s'allume, c'est bien et c'est normal. Déjà, ça veut dire que votre sonde lambda fonctionne et qu'elle a donc détecté une anomalie dans le rejet de polluants. Ça veut dire que votre voiture tourne pas très bien et que vous avez mis un peu trop d'éthanol. À ce moment-là, vous remettez un peu de sans-plomb par-dessus. Et normalement, le voyant doit s'éteindre après quelques kilomètres. Voilà, vous savez tout, c'était Seb. N'oubliez pas, il y a les commentaires juste en dessous. Donc si vous avez une question, une remarque à faire, allez-y, il n'y a pas de problème. Dans la description, je vous ai mis un site qui recense des tests qui ont été faits sur plein de voitures, sur plein de modèles de voitures avec de l'éthanol. Donc très utile. C'est le fameux site Super Éthanol, donc je vous le mets dans la description, vous pouvez aller voir, c'est très pratique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche s'il vous plaît, c'est hyper important. Le cap des 800 abonnés, on y va, c'est parti. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tout est dans la description. Et je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine, dimanche 18h. Ciao ciao!